Bienvenue à toutes et à tous pour la première course de l'histoire du stop motion de la NASCAR commentée en français. Bienvenue pour le clash à Tour Speedway pour la Ser Cup Series. Aujourd'hui, les pilotes de NASCAR vont emprunter ce circuit français qui a été malheureusement abandonné il y a quelques années en France pour la vraie NASCAR Wheelen Euro Series. C'est un petit circuit, un short track dans lequel 15 pilotes vont se battre pour gagner. Nous pouvons voir qu'il y aura 10 tours aujourd'hui. L'an dernier, c'est Brad Keselowski qui a gagné à Tours et c'était une course de la saison régulière. Et le vainqueur du clash l'an dernier était Ryan Blaney. Et le clash a eu lieu à Daytona l'an dernier. Les participants pour cette course sont ceux qui ont fait la pole position dans des courses en la saison 2. Les vainqueurs du Daytona 500, les vainqueurs de la pole position au Daytona 500 et les pilotes de playoff. Et maintenant, rejoignons notre grand marshal pour les dire les célèbres mots. Pilote, démarrez vos moteurs. Gentlemen, start your engines. Et c'est parti, nous allons voir la grille de départ pour la course d'aujourd'hui. En pole position, on démarre Chase Elliott qui a fait la pole à Gateway et Phoenix et qui était dans les playoffs l'an dernier. En deuxième position, Brad Keselowski pour la RFK Racing qui a fait la pole à Auto Club au Roval et qui a participé aux playoffs. En troisième position, démarre Joey Logano qui a participé aux playoffs. En quatrième position, nous avons Kyle Busch pour la Richard Childress Racing qui a été le champion de la saison 1 et qui était dans les playoffs l'an dernier. Ensuite, nous avons Tyler Reddick pour la 23-11 Racing, premier départ pour cette équipe. Derrière lui, son propriétaire, Denny Hamlin. Ensuite, nous avons le coéquipier Christopher Bell pour Toyota, qui a fait les playoffs l'an dernier. Suivi de son coéquipier également, Martin Truex Jr., qui a fait la pole à Tours, Bristol Dirt et Martinsville. Celui qui a fait le plus de pole l'an dernier. Ensuite, nous avons Bubba Wallace pour la 23-11 Racing. Puis suivi de Kyle Larson qui a fait la pole à Sonoma et qui a participé au playoff l'an dernier. Ensuite nous avons Kevin Harvick pour la Stewart Haas Racing qui a fait la pole à Nashville et a participé au playoff la saison dernière. Ensuite nous avons le champion de la saison 2, Alex Bowman, suivi du vainqueur du clash l'an dernier, Ryan Blaney. Puis du pilote de la numéro 42, Ty Dillon, qui a gagné à Daytona la saison dernière passée. Et enfin, Jamie McMurray qui a gagné à Daytona lors de la première saison, la première course de la Ser Cup Series. Le drapeau vert est lancé et la course démarre. Chase Elliott en pole position, Brad Keselowski à l'extérieur avec le momentum, il essaye de le dépasser. Mais Joey Logano pousse Chase Elliott dans le virage 4. Le premier tour est déjà bouclé et Joey Logano se presse déjà pour dépasser Brad Keselowski, mais il maintient sa première position. Maintenant, nous avons Kyle Busch, qui était dans la numéro 18 dans la saison passée, et qui est maintenant dans la numéro 8, qui tente de prouver qu'il est toujours très fort. Et derrière, nous avons Tyler Reddick, qui dépasse. Oh, et Logano fait contact avec le mur et envoie Denny Hamlin dans le décor. Et Christopher Bell, qui ne peut rien faire derrière, est aussi pris dans l'accident. Pour voir que Logano mesure mal la largeur du virage et ce qui fait que Denny Hamlin entre en contact avec la numéro 22, il ne peut rien faire et puis ensuite il remonte sur le circuit et le malheureux Christopher Bell ne peut aller nulle part ailleurs que sur Denny Hamlin. Et drapeau vert dans le tour 5 sur 10, Keselowski est toujours premier. Mais Kyle Busch ne l'entend pas de cette oreille. Trois de front derrière entre Reddick, Wallace et Joey Logano. Wallace qui passe entre les deux. Chase Elliott à la sixième place. Maintenant, caméra vue du ras du sol de ce circuit étroit, ce short track. Kyle Busch toujours en tête, Keselowski juste derrière. Bubba Wallace maintenant qui passe à l'intérieur de Brad Keselowski, pardon. Et Tyler Reddick qui en profite pour essayer de passer, mais Keselowski résiste, ils sont côte à côte, Wallace et Keselowski, mais finalement Wallace passe devant.
J'ai McMurray qui a gagné 3 positions depuis le début de la course, lui qui a commencé dernier. Et maintenant, nous avons Bubba Wallace dans le bumper de Kyle Busch à 3 tours de la fin. Ty Dillon qui est maintenant en tente de dépasser Brad Keselowski et il va le faire dans la ligne intérieure. Et maintenant, Bubba Wallace est juste à côté de Kyle Busch. Il tente de prendre l'aspiration et à l'intérieur, ils sont côte à côte à 2 tours de la fin. Et Ty Dillon juste derrière qui va pas louper la moindre occasion pour les dépasser. Bubba Wallace à l'intérieur, il clearance ses contacts entre Kyle Busch et Wallace, et maintenant, Ty Dillon en profite, et ils sont côte à côte, à 2 tours de la fin. Et maintenant, c'est Ty Dillon qui dépasse Bubba Wallace, Kyle Busch qui fait le crossover sur Bubba Wallace, et maintenant va tenter de récupérer la deuxième place, ce qui profite à Ty Dillon, qui peut tenter de s'échapper, mais il n'y arrive pas. Maintenant, Kyle Busch est côte à côte, et 2 derniers virages, Kyle Busch à l'intérieur, et oh! Bubba Wallace dans un trou de souris entre les deux. Et c'est Bubba Wallace qui va gagner cette course à Tours Speedway sur le sol français. Incroyable finish. Retournement de situation. Et Wallace qui avait perdu la première place à quelques tours de la fin la récupère sur un move incroyable entre les deux. Cette ligne du milieu était clairement rapide. Et Kyle Busch qui aurait pu l'emporter n'était pas clear, il restait à l'intérieur du circuit et il finit même troisième. Ty Dillon qui finit deuxième dans une photo finish. Incroyable première course de la saison. Et Wallace qui gagne sa première course pour la Serre Cup Series et il fait des burn-out. Il avait déjà gagné le deuxième duel à Daytona à la saison 2, il me semble. Et le voilà qui célèbre cette victoire. Ce qui est de bon augure pour la suite de cette saison. Et première victoire pour 23-11 Racing pour leur premier départ. Ty Dillon qui finit deuxième, qui a fait une course excellente, qui a commencé dans le bas du tableau et qui a fait une remontée assez remarquable. Et Kyle Busch qui a passé toute la journée dans les avant-postes, mais qui, sur la fin, n'a pas pu concrétiser. Félicitations à JRKHAN18. Donc les sign-ups de cette course sont ceux de la saison passée. Et pour Daytona, nous reprendrons les nouveaux sign-ups. Benjamin qui finit dernier avec Christopher Bell qui ont eu un accident. Très mauvaise course pour Kevin Harvick. Keselowski qui a perdu quelques places alors qu'il était aux avant-postes pour les 8 premiers tours au moins. Logano qui a fini 10e qui a également assez descendu. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour avoir regardé cette course. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. J'espère que la version française vous aura plu. C'était en tout cas quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et donc du coup, pour une course à Tours en France, bah, c'est l'occasion. Merci à tous et à la prochaine pour les duels de Daytona et la course de Chicago pour NASMAR, pour la NASMAR Community Cup Series. Merci et salut. Ciao, ciao.